Non. Lève-toi, j'ai un truc à te dire. C'est une surprise. Une surprise. Bah, demain, tu vas pas à l'école. Parce que demain, tu vas aller à Disney avec moi. Je t'amène à Disney. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Paul, mais tu me dis maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas rester jusqu'à ce soir en attendant, en me disant ouais, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a pas. Alors tu me dis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît? Putain, Chloé, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu es enceinte? Et tu me le dis comme ça, là, comme ça? Je suis le grand frère. Chloé, il va falloir que tu me donnes des explications avec ma soeur parce que sinon ça va mal se passer. Fais gaffe quand même. Fais attention. Je vais l'attraper. Je te dis, je vais l'attraper. Oh putain, il est là. Tu le vois? Tu le vois ou pas? Tu le vois? Alex. Alors, fils de... Viens là. Vas-y. Comment on fait maintenant? Est-ce que tu peux me lâcher, s'il te plaît? Je te lâche pas. Pourquoi tu crois que je me parle avec toi? On fait comment maintenant? Comment on fait maintenant? Est-ce que tu peux t'expliquer ma version? Version? C'est ma version, ouais. Version? Tu peux me lâcher, s'il te plaît? Pose une question, tu t'es en avec ma soeur? Oui. Tu vas avec ma soeur? T'as un couple avec ma soeur. T'as quel âge? 22. T'as quel âge? 22. Ah! T'as 22 ans, fils de pute. T'as 22. T'as quel âge là, ma soeur, espèce de pute? Quel âge là, ma soeur? Elle m'a dit qu'elle avait 18. Tu me prends. Tu arrêtes de me prendre pour une. Non, je te dis qu'elle avait 18 ans, c'est pas. T'inquiète que je vais finir par te mettre. T'as quel âge ma soeur? Elle m'a dit qu'elle avait 18. Tu me prends pour une con, elle. Non, ma soeur, 14 ans, ma soeur. 14 ans, ma soeur. Mais c'est pas qu'elle est. Quand? Mais non, mais c'est toujours pire, faut pas normal. Je sais, frérot. On fait comment? Vas-y, on fait quoi? On fait comment? Comment on fait? On fait quoi? Vas-y, dis-moi. Descends. Attends, vas-y, descends. On fait comment là? On fait comment? Ma soeur elle est enceinte, on fait comment? On fait comment? Comment? Ça va, on fait comment? Ma soeur. Oh! On fait comment? Mais déjà, ça va, t'es nerveuse, on va trouver une solution. Vas-y, pourquoi tu te tailles quand je t'appelle? Pourquoi tu réponds pas au téléphone à ma soeur? Parce que je savais que tu voulais me frapper. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? J'ai appris tout à l'heure qu'elle était enceinte. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu réponds plus à ma soeur? Je savais pas, moi comme elle m'a dit, elle avait 18 ans. Moi, quand j'ai appris qu'elle était enceinte, ça m'a fait peur. Et après, c'est là où elle a assumé vraiment son âge. Elle m'a dit, ouais, au final, j'avais 14 ans. Ouais, c'est pas vrai, manche. C'est pas vrai. Je te sors tes messages. Vas-y, montre-moi les messages maintenant. Vas-y, montre-moi les messages. Vas-y, sors-moi les messages. On était bien, ouais. Et montre-moi où c'est qu'elle t'a dit qu'elle a 18 ans, vas-y. Vas-y. Regarde, là, tu vois pas le message là du 3 août. Alors, tu vois pas le message là, regarde. T'as quel âge? Je pose la question, t'as quel âge? Elle m'a marqué 18 et toi, moi 22. Tu les vois bien, je suis pas fou. Regarde, c'est bien ta petite soeur. C'est ma petite soeur Chloé. Chloé, c'est bien son numéro, il y a bien une photo de nous deux, tu vois bien. J'ai pas mis tout. Et pourquoi du coup tu y réponds plus? Mais frérot, moi ça m'a fait peur. Moi je veux pas être papa à 22 ans. Je suis désolé frérot, excuse-moi. Je pensais pas que. Putain. C'est pas ma frère, la soeur. Non mais ouais, là c'est... Pouah, tu vois, c'est ma soeur qui... C'est pour ça qu'elle voulait pas que j'y aille, t'as compris? T'as compris ou pas? Je suis désolé gros, excuse-moi. Excuse-moi pour les taquets et tout que je t'ai mis. Et on me fait rien du tout frérot, qu'est-ce que tu comprends? Je t'ai mis deux taquets, j'étais pas... Ça va, j'étais pas avec couper la tête. Et alors tu m'as balayé, regarde, je vois pas que je suis toi, moi aussi. Franchement, mais je te serre la main, excuse-moi. Non mais tu ne serres pas la main pour ça frérot. Eh comment? Par contre, parle, par contre tu as bien parlé, d'accord? Parce que ma soeur, elle a... Non, mais moi, j'ai la haine. Ma soeur, elle est con, je veux pas avoir la haine. Non, mais je comprends que tu as la haine, mais parle bien, parce que ma soeur, elle a 14 ans. Elle s'est peut-être dit, bon, il sortira pas avec moi, machin. D'accord? Donc... Ça va, mais c'est malgré tout, mais ça va, c'est l'heure 14 ans, je serai pas touché, ta petite soeur.
pis non plus. Même moi, je me sens sale à l'intérieur de moi, je me sens sale. Eh ouais, je comprends. C'est pour ça que j'avais pas. T'inquiète pas, je vais régler le problème. Mais tu vois, si tu avais répondu d'entrée, quand je t'appelais avec mon numéro, si tu avais répondu cash, peut-être que je me serais rendu compte. Tu m'aurais pas cru. Tu m'aurais envoyé les captures d'écran. Je t'aurais cru. Bah, trop en fait, j'aurais dû prendre son téléphone à elle d'entrée. Pourquoi t'as pas regardé son téléphone avant? Eh non, j'étais tellement énervé, je me suis taillé direct. Eh non, non, c'est pas comme ça. Ok, moi j'ai pris ma vie. Parce que tu m'as même pas laissé parler. Non, je sais. Tu m'as même pas laissé parler dès le début. T'es en plus, j'ai volé le téléphone à ton collègue et tout. C'est... Ah, c'est sérieux, en plus, tu voles le téléphone, c'est sérieux? Ah, je savais pas que c'était. Franchement, je savais pas. Ah, c'était toi, en fait, par message tout à l'heure. Eh ouais, c'était moi. C'est pas ton collègue qui t'a balancé, c'est moi, j'avais son téléphone. Ah, lui, là, tu me parles. Non. Bon, je vais aller voir ma soeur, je vais. Non, ça va. Regarde, tu as vu, je me suis excusé. Je te parle gentiment, je te dis ma soeur elle a déconné, je vais aller la voir, je vais régler les histoires avec elle, j'aurais pas dû me détaquer, désolé, tu veux que je fasse quoi de plus frérot? Tu veux que je fasse quoi de plus là? Dis-moi, tu veux faire quoi? Je veux qu'on aille voir ta soeur ensemble. Non, tu veux, c'est bon, ma soeur laisse-la tranquille. Je vais pas la frapper. Non, mais frérot, heureusement tu vas pas. Je vais pas la frapper, mais je vais lui dire au moins ce que j'ai à dire. Non, tu as rien à dire. On va mourir, moi aussi. Non, si tu avais quelque chose à lui dire, tu lui répondras au téléphone, là tu lui réponds plus. Non, tu as raison depuis le départ. Je te dis, tu as raison, je me suis excusé tout. Pourquoi tu cherches encore à faire autre? C'est bon? Je ne cherche pas, je veux discuter. En plus, ta soeur, elle fait pas 14 ans. Tu sais très bien autant mieux que moi. Non, mais je sais, mais c'est ce qui est ouf, c'est que. Elle a 14 ans, elle se maquille. Elle a 15 ans, là, elle va faire 15 ans. Ah, bref, peu importe. Elle a bientôt 14 ans, elle se maquille, elle fume. C'est quoi ça? Toi, jusqu'à ce que je te dise maintenant qu'elle avait pas 14 ans, tu le savais pas? Bah non, je savais pas, moi. Et pourquoi tu lui répondais plus? Parce qu'elle était enceinte. Non, mais j'ai compris que tu as eu peur quand tu as su qu'elle était enceinte. Bah ouais. Mais par contre, là où tu as eu tort, c'est que tu aurais dû quand même lui répondre et lui dire que tu voulais pas le garder, et puis c'était réglé quoi. Ouais, mais moi ça m'a. J'ai peur, mais par contre, attends, ça là. C'est ma soeur. Allô? Ouais, dis-moi, t'as pas oublié de me dire quelque chose? Ouais, dis-lui tout. Bah, je sais pas, là je suis avec lui, il me montre les messages, il me dit que tu as 18 ans. Que tu lui avais dit que tu avais 18 ans. Mais Chloé, ne me dis pas que c'est pas vrai, j'ai vu les messages. Ne me dis pas que c'est pas vrai au moins. Oui, ben voilà, ben donc tu m'as pris pour un con, on est d'accord? Chloé, tu m'as pris pour un con, oui ou non? J'ai mis des baffes et tout, mec, on fait comment là? T'as raccroché au nez? Ouais. Bon, maintenant, la caméra, je vais pas te mentir, Chloé, la caméra, ça me dérange. C'est bon, toi, c'est ton business. Non, mais ça va, t'inquiète. Moi, je veux pas être à. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Frérot, s'il te plaît, regarde. On va se tailler avec mon caméraman, je vais aller voir ma soeur, je règle les comptes. Ok, en fait, ta soeur, c'est ton, ouais. Oh, pourquoi tu manques de respect? Pourquoi tu manques de respect? Si tu l'as éduqué, c'est ta mère qui a dû l'éduquer. Ouais, c'est ma mère, et alors? Bah, ta mère, c'est aussi. Ah, toi. Toi, tu veux que je te mette dans la boue? Vas-y, casse-toi, fils de pute. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais vite bien, Alex. Je vais vite aller voir ma soeur. Je vais régler les comptes avec elle. Si vous voulez voir la suite, là, je vais aller la voir. Je vais la filmer. Je vais bien afficher ma soeur. Enfin, je vais l'afficher en flouté, hein, mais si vous voulez voir ce qu'elle pense, je vais aller la voir là. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, de cette vidéo, je vous invite à aller sur Camoff TV dimanche, le dimanche qui vient là, ou si vous la regardez un autre jour, la vidéo sera sur la chaîne secondaire. Et voilà, je suis déçu. Bon, après j'ai mis 4 baffes, mais il est mérité parce qu'à la fin il a parlé mal. Hein, mais ça va, heureusement que je ne suis pas allé plus loin. Heureusement que je ne suis pas allé plus loin, que j'ai pas tabassé. Bon. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo, une expérience sociale ou une caméra cachée, un prank, on verra bien ce qu'on fait. Et voilà. Et je vous donnerai des nouvelles sur la chaîne secondaire de ma soeur, l'avortement, patin, coup fin, je vous dirai tout ça. Je vais en parler à ma mère aussi. Et voilà, je veux pas qu'elle fasse n'importe quoi parce que moi, depuis que je suis parti de la maison, j'ai l'impression que... Comme il n'y a plus mon père ni rien, je pense qu'elle commence à faire un peu ce qu'elle veut et qu'elle part en couille. Voilà. Moi, ma soeur, elle m'avait jamais menti jusqu'à présent et là, je vois qu'elle m'a menti en figure. Donc, ça ne va pas se passer comme ça. Si vous voulez voir ce qui se passe, rendez-vous dimanche à 18h sur la chaîne secondaire. C'était Camoff. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et faites attention à vous. Et si vous avez des petites soeurs, prenez soin d'elles et ne faites pas n'importe quoi. Allez, ciao les gars.